Bonjour à tous et à toutes, ici Lumi13 ou Delphish, peu importe, parce que comme je l'ai expliqué, je vais bientôt changer de pseudo, donc je vais mettre Delphish à la place de Lumi13 bientôt, donc dès que je sais. Ici c'est la vidéo annonce pour dire plus ou moins ce que je fais sur cette chaîne. Donc j'explique. Donc pour le moment j'ai une idée de que cette vidéo annonce sera faite sur avec un personnage donc de mon jeu favori, donc Minecraft bien sûr pour les connaisseurs. Donc je vous explique. Donc j'ai prévu sur mes vidéos, donc ce sera celle de la vidéo de la chaîne principale. Enfin, ce sera celle qui restera pour les présentations. Donc voilà, ma présentation c'est que moi je suis dessinateur. Donc je dessine, je fais des dessins. Je dessine beaucoup. Il y a un DeviantArt sous le pseudo de Desna, un Furafinity sous le pseudo de Desna, et de même pour l'autre, j'ai déjà oublié son nom. Donc, même sur, j'ai même une page Facebook Desna, donc ceux qui s'intéressent peuvent aller voir là aussi. Tous les liens seront mis dans la description. Et en fait, donc je fais du dessin et je fais du gaming en plus. Donc qu'est-ce que je fais comme gaming? En fait, je fais même pas que du gaming, je fais aussi des déballages. En fait, je fais un peu de tout. Même si je voudrais, je pourrais même faire des YouTube pop. Parce que moi, sincèrement, il n'y a pas de limite. De toute façon, c'est trié dans des playlists. Donc, je m'en fiche un peu. C'est pas vraiment mon but, ça va être le bordel. Puisque il suffit d'aller dans la section playlist pour s'y retrouver. Donc voilà, donc déjà premièrement, donc tout ça sera mis à l'ordre un jour. Les YouTube pop, ça va un peu encore attendre parce que pour le moment j'ai pas le matériel nécessaire de montage pour en faire, mais j'en ferai peut-être un jour aussi, on verra, je suis pas sûr pour ça. C'est la seule chose que je sais que je ne suis pas sûr si je vais vraiment me lancer dedans, mais par contre pour le reste il n'y a pas de souci, je vais m'y lancer. Donc Minecraft, des aventures coop avec des gens, je sais pas. Starboon, Faze, donc Faze FEZ, c'est un jeu en 2D. Enfin voilà, c'est un jeu qui est sur ma chaîne déjà lancé. The Escapist qui est lancé avec Fast Rig. D'ailleurs, pour le moment, j'ai un souci parce que j'avais pu recharger les scripts anciens d'encodage de personnalisation de mon personnage. Ce qui permettait de mettre qui avait la position du casque et tout. Donc du coup, si c'est au cas où j'y arrive pas, vous étonnez pas si le personnage n'a plus de casque sur lui. Parce que j'arrive plus à le remettre comme il était avant, c'est bizarre. Et ils arrêtent pas de faire des mises à jour. Donc du coup, les scripts de sauvegarde ne fonctionnent plus. C'est vraiment n'importe quoi. Donc voilà, comme ça vous savez, si au cas où je recommence The Escapist, eh ben mon personnage sera légèrement un peu plus différent. Donc mon panda noir et blanc. Je sais plus sa couleur, plus ou moins. Ou un noir gris comme ça. 2 secondes. J'ai un souci. J'ai mouché mon nez. Donc voilà. Donc je vous dis tout de suite. Donc voilà, c'est sur ma chaîne. J'ai prévu faire du Minecraft, du The Escapist, du Starboon, du Faze. Je vais peut-être tenter de faire quelques petites vidéos de Guild Wars, mais en qualité basse, parce que voilà, sinon ça marchera pas, mon PC va se mettre à genoux. Donc ce sera peut-être en 420, en 440 les vidéos là, parce que je suis désolé. Non, mais ce sera pas fluide du tout. Ce sera même pour vous, ce sera en 480 parce que sinon ça sera pas fluide du tout, les FPS seront en 25, peut-être même encore plus bas. Mais ils iront pas plus bas que 25, je vous rassure. Mais voilà, surtout, donc c'est surtout ça qui est prévu sur ma chaîne, et surtout aussi du dessin. Parce que je vais faire aussi des lives avec en dessinant, je fais aussi des lives avec Digimon War 2003, pardon. Donc ça aussi. Je fais donc aussi des lives, c'est prévu aussi. Bon, bizarrement, paranormalement, mes vidéos ont disparu sur Twitch. Je présume que c'est un délai de sauvegarde, ça ne reste pas éternellement, il faut payer. Hein. Le fric, c'est toujours ça dans la vie, hein. Et partout, tu peux pas y échapper.
Non, bah, ça s'est supprimé après quelques jours. Donc ça va, je m'inquiète pas, j'ai compris le truc, c'est pas grave. Tant que j'ai le temps de les envoyer sur YouTube avant que ça se supprime, ça va. Et il y a largement le temps. Après, tu te casses pas la tête, c'est fait sur le serveur de Steam, de Steam, de Twitch. C'est eux qui s'occupent du traitement et tout. Donc tu ne dois pas te casser la tête, tu peux passer à autre chose, toi. Donc c'est vraiment ça qui est classe avec les versions live. C'est que en live avec Twitch, c'est qu'après tu te casses pas la tête, hop, c'est bon, bon débarras, le traitement il se fait tout seul, hop, c'est bon. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est de live. Donc c'est tout, voilà, ce sera ma présentation de ma chaîne. C'est un peu cafouillis, mais écoutez, pour l'instant j'ai que ça. Si ça vous intéresse, bien sûr, comme vous avez compris, je suis sous. Vous regardez là, Minecraft Windows 10 édition bêta. Donc si vous avez cette version là, n'hésitez pas à me donner votre pseudo Xbox. Je crois que c'est lié à Xbox Live ou je sais pas en fait, j'en sais rien. Donc en tout cas n'hésitez pas à donner votre pseudo si vous savez comment ça marche. Comme ça je pourrais aller là, dans Inviter joueur. Ouais c'est ça, c'est lié à Xbox Live. Et je pourrais vous inviter via l'Xbox Live. Et ce sera génial. Je pourrais vous inviter dans mes amis. Donc voilà ce que je pourrais faire. Et ça m'intéresse de pouvoir. Donc Alice est vite, c'est normal. Je pourrais vous inviter pour faire des aventures Minecraft. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par MP. Faudrait que je fasse une page Facebook pour ça. Elle sera nue. Ou par message les commentaires sur cette chaîne, sur cette vidéo aussi. Dites-moi si vous voulez qu'on me venir faire du Minecraft avec moi ou pas. Donc voilà, ça c'était pour la chaîne. Et même avec les dessins, hein, si Dave veut coopérer, ben, on pourra faire des coopérations. Ça me dérange pas du tout. Donc c'était Lumi 13 et la présentation de ma chaîne. Je vous dis bye bye et à bientôt. Ah oui, j'ai modifié certains paramètres de mon micro aussi. C'est un peu moche. Allez. Et bye bye. Ah oui, j'ai oublié de rappeler pour ceux qui... Ça, il faut vraiment que je rappelle parce qu'à chaque fois, les gens, ils vont me dire pourquoi tu n'utilises pas la version Java. Mais parce que j'ai un PC faible. Trop faible. Donc si je filme en 720 sur la version Java, ben je lag à mort, ça fait ça. Bon, c'est dur à répéter et tout parce que là ça disloque, je veux dire ça fait le choum, choum, et ça s'arrête pas de net, donc du coup c'est du mal à faire croire que ça lag. Mais vous avez compris où je veux en venir quoi, je lag à mort et je peux pas filmer avec une image par FPS, par 15 FPS, enfin, vous avez compris où je veux en venir. Donc voilà pourquoi je ne le fais pas sur Java, j'ai pas un PC encore puissant. C'est prévu pour plus tard quand j'aurai une grosse bête. J'ai prévu même d'installer des shaders ultra ou autre et filmer en 720 sur YouTube parce que j'utilise un logiciel gratuit qui s'appelle OBS, donc Open Software, Open Broadcaster Software que j'aime beaucoup et qui est vraiment gratuit en plus et léger parce que je peux faire du 720. Bon, après, c'est pas du vrai 720, j'avoue. Il est un peu truqué parce que la qualité, vous le voyez, elle est un peu estompée, floutée entre guillemets. Mais bon, en fait, c'est du. C'est pas du vrai 720, c'est du 720 un peu ébouriffé, on va dire. Parce que j'ai dû modifier les paramètres pour que ce soit un peu plus. Donc, c'est plutôt du. Du 690 ou un truc comme ça, mais bon, c'est pas très grave en bref. Bon, allez, je vous dis bye bye, et c'était le Mi 13. Bientôt.